l'avantage à la fois de créer une mobilisation autour de ça et de se conscientiser sur cette question-là pour comprendre un petit peu comment marchent les mécanismes et donc de lancer aussi un mouvement autour de ce truc-là et en plus de pouvoir taper sur le centre du problème maintenant parce que c'est, évidemment, il faut continuer à se battre pour la répartition des richesses, mais si on fait ça sans annuler la dette, on va répartir des richesses en devant payer une dette qui n'est pas la nôtre. Donc il faut absolument qu'on mette cette revendication-là aussi au centre de nos actions et de nos réflexions. Et, qu'on continue à le faire ensemble en fond commun. Le premier point, on l'a rappelé, longuement des syndicalistes, l'importance du partage, la question du partage des richesses. Il faut quand même rappeler, je dirais, la situation critique dans laquelle nous sommes. Depuis une trentaine d'années, les salaires, la part des salaires a diminué de 8 à 9 à 10% dans la production nationale et c'est une des causes essentielles, principales, des problèmes d'endettement que nous connaissons au niveau privé et au niveau du budget de l'État. Et donc, si l'indexation, évidemment, est une revendication, le maintien de l'indexation, une revendication essentielle, on a rappelé aussi qu'il faut aussi tenir compte des gains de productivité, mais il faut aussi tenir compte du fait qu'on a baissé de 8 à 10% en 30 ans, et que donc il faut rattraper. Alors, on imagine bien, je dirais, que ce sont des luttes très importantes. Je suis très satisfait, je dirais, positivement, que ça a été mis en évidence par les syndicalistes, mais naturellement, ça a été rappelé que c'est une nécessaire lutte européenne et qui a encore beaucoup de travail et qu'il faut être proactif là-dedans. Donc pour moi, c'est un point tout à fait central. Deuxième point, en ce qui concerne les impôts, on a rappelé l'importance des impôts et de l'évitement fiscal de la part des plus nantis. Et donc là aussi, c'est une des autres causes importantes de la situation dans laquelle nous sommes. Alors nous essayons de mettre en place un groupe et nous avons déjà des contacts en Europe pour réagir et travailler sur les questions fiscales au niveau européen avec des syndicats, avec des associations qui luttent contre la pauvreté, etc. Donc s'il y a des personnes dans la salle qui souhaitent rejoindre un groupe comme celui-là, et notamment des fiscalistes et des personnes, si possible, qui ont des connaissances dans le domaine, bon, je suis ici à la fin de la réunion, vous donnez votre nom et on vous intègre dans ce groupe de travail. Troisième et dernière chose, les comités Action Europe ont produit une brochure pour expliquer la chose qui est malheureusement insuffisamment connue, les réglementations qui viennent de passer au niveau européen, notamment le six-pack, qui sont dramatiques au point de vue de l'implémentation des mesures d'austérité, mais aussi au point de vue démocratique, tout simplement. Cette brochure est produite en français, elle est en cours de traduction vers l'espagnol et vers l'anglais. Il faudrait pouvoir la traduire vers le flamand, évidemment, et si possible vers l'allemand. Donc s'il y a des néerlandophones et des germanophones qui peuvent contribuer, s'il vous plaît, contactez-moi. Merci, Franco.